dans plusieurs options possibles. Vous avez les Jacksoniens, vous avez les Wilsoniens, vous avez les Jeffersoniens, les Hamiltoniens, tout ça. Mais il y a toujours eu, quelle que soit l'option retenue, l'idée d'un patriotisme très profond. Il y a, dès avant l'élection de Trump, dans la façon qu'il avait de saluer le talent de Vladimir Poutine, dans la façon de lui décerner un triple A, et de souligner à l'inverse la médiocrité réelle ou supposée de son propre prédécesseur, quelque chose qui, là encore, n'était pas dans la tradition du patriotisme américain. Et puis la troisième chose, troisième de ces symptômes qui font que, à mon avis, il tourne le dos à la grandeur du credo américain, c'est le lien à l'Europe. Il n'y a pas d'Amérique sans un lien de vie, d'esprit et de sang, même si je n'aime pas le mot, oui, avec l'Europe. Le sang versé, celui des deux guerres mondiales, l'esprit, celui des pères fondateurs qui étaient des Européens nostalgiques de ce que l'Europe avait de meilleur et qui avaient pour propos d'aller le réinventer en Nouvelle-Angleterre. J'insiste sur cela dans mon livre, j'appelle ça le fil virgilien de l'étoffe américaine. Il n'y a pas d'Amérique sans l'idée, mais pendant très longtemps, probablement jusqu'à John Fitzgerald Kennedy. Sans l'idée des pères fondateurs à John Fitzgerald Kennedy, il n'y a pas d'Amérique sans cette idée simple qu'il y a un fil crépusculaire et lumineux parce que crépusculaire, qui commence à Troie, la Troie de la guerre de Troie, qui continue avec la petite Rome qui deviendra le grand empire romain, qui se continue encore quand quelques persécutés, affligés de l'ancienne Europe, fuient les guerres de religion, les persécutions ou l'intolérance pour retendre ce fil et aller le laver comme les rescapés de Troie à travers la Méditerranée, eux à travers l'Atlantique, et aller le retendre en Amérique. Bref, il n'y a pas d'Amérique sans ça. C'est la raison pour laquelle, je le rappelle dans le livre, cette chose qui m'est longtemps parue énigmatique, sur un billet, sur un dollar américain, il y a peu de gens le savent, et peu d'Américains y ont prêté attention, trois vers de Virgile. C'est quand même bizarre, ce pays dont la devise est aujourd'hui, depuis 1956, « In God We Trust », qui, sur sa currency, a inscrit trois vers de Virgile. Je crois que ce mystère s'éclaircit par le fait qu'il y a là quelque chose de constitutif. L'Amérique, elle se constitue dans cette idée d'un recommencement de l'Europe. Il y a, de quoi Trump est-il le nom ? Il est le nom de l'aboutissement d'un processus qui ne commence pas avec lui, qui a commencé avant, bien sûr, mais dont il est le point d'aboutissement et qui est un processus de rupture d'avec ce passé européen, qui est un processus qui consiste à trancher ce fil d'or et de souffrance aussi qui reliait l'Amérique à l'Europe. Voilà pour moi ce qui se passe avec Trump. Thierry de Montbrial. Alors moi, je vais répondre à cette question de manière un peu indirecte, en partant du livre de Bernard-Henri Lévy, « L'Empire et les cinq rois », que je vais résumer extrêmement succinctement, qui ne lui fera pas justice parce que ce livre est rempli de choses passionnantes et de commentaires où on apprend énormément de choses. Mais je voudrais en réduire le cœur par rapport à ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire la politique étrangère. Bon. Alors, je vais vous raconter l'Empire et les cinq rois. Et puis, je reviendrai sur Trump. L'Empire et les cinq rois, ça part du chapitre 14 du livre de la Genèse. Et l'Empire a pour patriarche Abraham, et les cinq rois comprennent ceux de Sodome et Gomorre. Et l'Empire écrase les cinq rois qui sont jetés dans un puits de bitume. Et que fait Abraham ? Abraham sauve, je ne sais pas si c'est les cinq, mais en tout cas les rois de Sodome et Gomorre.
première version de l'Empire et les Cinq Croix. Et puis, il y a la deuxième histoire de l'Empire et les Cinq Croix, c'est le chapitre 10 de Josué. Et là, on a donc un empire, nouvel empire, cinq autres rois. L'Empire écrase les Cinq Croix, qui, étant défait, se réfugie dans une caverne qui n'est pas celle de Platon. Et là, l'Empire, l'Empereur, les extrait, les exfiltre de la caverne et les fait pendre. Voilà. Donc, c'est tout à fait étonnant, n'est-ce pas ? Dans la Bible, nous avons donc deux histoires qui sont essentiellement les mêmes, mais qui aboutissent à des conclusions différentes. Alors, naturellement, l'Empire, c'est le bien, et les Cinq Croix, c'est diverses formes du mal. Alors, Bernard-Henri Lévy observe très justement que le message de la Bible, c'est que justement, il est extrêmement difficile de trancher, même devant les pires des situations, et de fait, le roi David n'aurait pas existé si le roi de Sodome et Gomorre avait été oxy purement et simplement. Alors jusqu'ici, c'est très bien. Et d'ailleurs, je raffole de ce genre de considération, et Bernard-Henri Lévy est aussi un maître dans l'interprétation de ces... Et nous sommes découverts, du coup, une passion talmudique commune, mais je ne doute pas, bien sûr, qu'il soit infiniment plus savant dans cette matière que moi. Alors, aujourd'hui, l'Empire... dans son livre, c'est les États-Unis, Empire du bien malgré Trump, et les Cinq Croix y sont nommés, précisément. C'est Xi Jinping, c'est Poutine, c'est Erdogan, c'est Mohamed Ben Salman, et puis, qui j'oublie, Khamenei. Et naturellement, Khamenei. Voilà. Et ces Cinq Croix sont mis, première objection, majeure de ma part, dans le même sac. Et puis, vous verrez, la plume de Bernard-Henri Lévy s'envole au fur et à mesure du texte, avec une passion qui l'emporte. Et à la fin du livre, non seulement ces cinq croix qui sont chacun dans leur genre l'incarnation du mal, ces cinq croix subissent dans l'esprit de Bernard-Henri Lévy la condamnation, non pas de version Abraham, mais version Josué. Et là, je suis très embarrassé. Je suis très embarrassé pour plusieurs raisons. Et ça, c'est un type de démarche qui est totalement différent, évidemment, de ce que peut être celle d'un think tanker, comme on dit aujourd'hui dans le jargon. Parce que je ne pense pas que les États-Unis incarnent l'Empire du bien, et je ne pense pas que les cinq croix en question, d'abord, soient équivalents. Je crois qu'ils sont extraordinairement différents les uns des autres. Et je crois que la question du mal les concernant est également, doit être également discutée de plus près. Alors je suppose que du côté des Cinq Croix, on en parlera plus tard. Bien sûr, on va détailler tout après. Ça. Oui, oui. Et donc je me bornerai à quelques remarques complémentaires sur, sur Trump, c'est-à-dire l'Empire du bien. Bon. Alors, premièrement, je crois qu'il faut distinguer entre Trump et le Trumpisme. Et je pense que le Trumpisme survivra à Trump. Trump est un personnage qui est vulgaire, qui a toutes les caractéristiques que nous lui connaissons. Nous entrerons tout à l'heure aussi dans des détails sur par rapport à ses différentes prises de position, Corée, etc. Mais je pense, et peut-être est-ce une différence avec Bernard-Henri Lévy, je pense qu'il représente une bonne partie de l'Amérique aujourd'hui. Et c'est peut-être même la majorité de l'Amérique aujourd'hui. Je voudrais rappeler également qu'il ne faut pas parler d'isolationnisme. Les Américains ne peuvent pas être isolationnistes, c'est impossible. C'est une introversion. Ils se retournent vers eux-mêmes, mais ce n'est pas la première fois de leur histoire. Et donc, je crois, et pour autant, je ne les qualifierais pas d'empire du mal, en caricaturant à l'extrême. Et donc, je crois que nous devons nous habituer
à considérer que, comme l'a dit d'ailleurs assez extraordinairement Mme Merkel récemment, je crois que nous devons nous accoutumer au fait que la relation entre les États-Unis et l'Europe en particulier ne sera pas comme avant. Je vais même aller plus loin. Je pense que l'Alliance Atlantique, d'une certaine manière, est moribonde. Et je dis bien l'Alliance Atlantique. Mais là, nous sommes dans la politique internationale. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans les jugements, le bien, le mal, l'incarnation, etc., etc. Là, on entre dans le détail de la politique internationale. On va essayer de sauver ce qui peut l'être. Mais je crois que les dommages sont déjà considérables et qui ne seront en tout cas pas totalement réversibles. Alors, il y a trois exemples de diplomatie de Donald Trump. Premièrement, la Corée. Il y a 6 mois, on échange des déclarations incendiaires et de guerre mondiale. Il y a 1 mois, on échange des tweets pour dire qu'on va se voir. Il y a 8 jours, des tweets pour dire que finalement, on ne se verra pas. Et aujourd'hui, on échange des envoyés spéciaux pour dire qu'on va se voir effectivement le 12 juin. Alors, cette diplomatie-là est-elle particulière à ce président, ou cette diplomatie-là est-elle l'illustration de ce qui se pratique aujourd'hui? Bernard-Henri Lévy, puis Thierry. Est-ce que je peux répondre? Oui, à Thierry d'abord. Enchaîner d'abord sur ce que vient de dire Thierry Monbrial, brièvement. Oui. Trois points. Le mal et le bien. Tout l'intérêt de cette parabole abrahamique que vous avez eu la gentillesse de rappeler et sur laquelle je m'étends longuement et qui donne en effet son titre à mon livre, c'est justement d'insister sur l'indiscernabilité, sur l'impossibilité, ouais, plus exactement, sur l'impossibilité de faire passer le tranchant du jugement afin de séparer irrévocablement et clairement le bien et le mal. Ils sont mêlés. Ça, c'est le. Je parle de. Mais vous tranchez à la fin, quand même, de plus non, en plus. Et la manière que j'ai de ne pas trancher, c'est notamment de manière très concrète. Parce que, bon, bien sûr, il y a Josué et il y a Abraham. Abraham sauve les rois, Josué les extermine. Comment les deux se combinent et comment ils peuvent se penser ensemble, c'est que je crois qu'il faut être en effet politiquement intransigeant, voire politiquement sans merci avec les dirigeants de l'Iran totalitaire, avec le régime de M. Erdogan qui trahit ses alliés et qui joue double jeu avec Daesh et ainsi de suite. Et autant il faut être au contraire fraternel avec les opposants à Erdogan, avec les militants des droits de l'homme en Chine, avec les femmes dévoilées ou qui brandissent dans les manifestations de rue leur tchador tel un trophée, des rues de Qom ou de Téhéran. Donc, au contraire, il faut être extrêmement vigilant à ne certainement pas jeter dans le même sac tout ça. Et il y a deux paradigmes. Le paradigme Josué, dont je dirais, pour aller très 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 vite, qu'il s'applique aux dirigeants, mettons, ou à ceux des dirigeants illibéraux et totalitaires, et le paradigme abrahamique qui s'applique à leurs opposants, qui sont au contraire nos frères en humanité et auxquels nous lie une solidarité sans faille du type de cette solidarité des ébranlés dont parla naguère juste avant de mourir Yann Patoka. 1. 2. Les 5 royaumes, Xi Jinping, Khamenei, etc. Évidemment que ce n'est pas la même chose. Et bien sûr que cette Chine qui est en train de devenir la première puissance mondiale, qui réagit sur le terrain de leur propre excellence à la puissance des États-Unis, qui est en train de leur ravir leurs 3 terrains de plus grande excellence, qui sont les GAFA, qui sont les brevets, qui sont les universités bientôt et qui sont peut-être un jour les produits financiers. C'était ça les 4 piliers sur lesquels la puissance américaine était assise. Cette Chine-là, elle n'est pas comparable avec la Russie poutinienne, qui est un nain politique, qui est en mauvais état démographique, etc., etc. Bien sûr, mais si j'ai appelé mon livre comme cela,
c'est parce qu'ils ont trois points communs. Et c'est ça que je dis et c'est là-dessus que j'insiste. Un, ils ont été de grands empires. Deux, ils ont quatre points communs. Ils ont été de grands empires, ils ont cessé de l'être, ils veulent le redevenir et ils veulent le redevenir au détriment de l'Occident. Voilà les points communs de ces cinq-là. Après l'Occident, l'Empire américain, je ne dis pas que l'Empire américain, c'est le bien. Je dis que l'Amérique et l'Europe, c'est le siège principal où sont encore chantés, pensés, défendues et illustrées les valeurs auxquelles nous sommes, je crois, tous les trois attachés, qui sont les valeurs de l'humanisme, du droit, de la pensée contradictoire, etc. Le siège principal. Parce que cette Europe élargie qui s'étend, qui se réinvente aux États-Unis, moi j'en ai dans ce livre et ailleurs, j'ai passé ma vie à dire ça, une conception encore plus élargie que ça. Pour moi, la seule vraie définition de l'Europe, c'est celle de Husserl dans la fameuse conférence de Vienne de 1935. C'est une idée. Et est européen quiconque, où qu'il soit. Il peut être en Extrême-Orient, il peut être dans un pays arabe, il peut être en Afrique, quiconque partage ce stock de valeurs-là. Donc qu'est-ce que c'est que l'Europe et qu'est-ce que c'est notamment que les États-Unis? C'est juste l'endroit où l'on prend encore aujourd'hui, malgré Trump, malgré cette minorité ou majorité d'Américains qui l'ont porté sur le pavois, c'est l'endroit où il y a le plus de gens qui défendent avec le plus de rigueur et en y jouant le plus de leur vie, de leur salut et de leur honneur, ce stock de valeurs-là, qui d'ailleurs n'ont pas été inventées en Europe, qui ont été inventées dans une petite ville du Moyen-Orient que nous connaissons tous très bien, mais enfin, qui sont devenus patrimoine de l'Europe, donc de l'Amérique. Donc l'Amérique, c'est ça. C'est la patrie de l'universel encore aujourd'hui. C'est l'endroit où il est défendu avec le plus d'acharnement. Et moi, c'est pour ça que j'aime l'Amérique et c'est pour ça que j'y suis si attaché. La question de la Corée, là, alors, je vais laisser peut-être... Comme vous êtes parti sur, en réalité, un fond qui échappe complètement au débatteur que je dois être, mais et je le comprends très bien et c'est passionnant, je vais grouper tout de même les trois décisions qui ont été prises tout récemment. Parce que vous serez comme ça, d'une certaine façon, contraint d'aller sur le terrain de la relation internationale. Les trois décisions, c'est la Corée, je l'ai dit. La deuxième, c'est Jérusalem. La troisième, c'est l'Iran. Donc, l'Amérique que vous venez tous les deux de qualifier, de définir là, en ce moment, voilà les décisions qu'elle prend. Quelles conséquences? Qu'est-ce que ça illustre et comment allons-nous vivre ces conséquences? Donc, exceptionnellement, je vais vous redonner la parole puisque la question vous était posée et ensuite, ce sera à Thierry de Montbrial de répondre en fait à ce décor mais, international qui est décrit. Quand même, avant oui. On va répondre tous les deux à ces trois questions, mais comme le but aussi de l'exercice, c'est de faire ressortir où nous divergeons, parce que sinon, on peut assez facilement se trouver d'accord sur pas mal de choses aussi. Non, bon. Ce que je voudrais souligner toujours par rapport à cette question des cinq croix, c'est que très souvent, je cherche à voir ce qui nous différencie. Bon. Je crois qu'une des choses qui nous différencie, c'est que on trouve souvent dans les écrits de Bernard et Lévy, et il est l'ami des peuples et l'ennemi des mauvais gouvernants, en gros. Hein, voilà. Et donc, d'ailleurs, vous venez de le dire, hein, il faut soutenir, etc., etc. Bon, moi, je crois, en tant qu'analyste des relations internationales, que Poutine a une majorité écrasante derrière lui dans son pays, que Xi Jinping et le régime chinois ont une majorité plus qu'écrasante dans son pays, que je visite au demeurant très régulièrement. Je crois que la question est plus complexe, certes, dans le cas de l'Iran, mais qu'une politique à la Trump va avoir pour effet de mobiliser l'opinion publique iranienne derrière le régime. Nous verrons d'ailleurs ce qu'il va en être, ça c'est les faits qui vont trancher, mais en tout cas je ne crois pas que l'opinion publique iranienne, si cette révolution a eu lieu, c'est aussi parce qu'il y avait la population était largement contre le Shah d'Iran installé par les États-Unis, il faut le rappeler, enfin le père. Je crois que la majorité, même si
la situation politique est complexe, mais je crois que Erdogan, nous ne l'aimons pas, mais il a une vaste partie de la population turque derrière lui. Et quant à l'Arabie saoudite, peut-être l'affaire est trop complexe, je suis prêt aussi à rentrer dans quelques détails. Alors, par rapport à la notion, pour un politologue, disons, il y a la notion de légitimité. On doit reconnaître, moi je ne vais pas partir en guerre contre la Chine, je ne vais pas partir en guerre contre Poutine. Ou alors, si je pars en guerre, il faut que j'ai les moyens de la faire. Voyez-vous ? Et là, on tombe dans une certaine forme de réalisme et on tombe dans la politique internationale. Voilà. Alors, je voulais dire ça, puis après, on peut rentrer auxquels François d'Orcival nous invite. Alors, Bernard, vous allez quand même répondre à ça, et puis je vous laisserai après répondre sur la Corée et l'Iran. Il va me laisser la Corée et l'Iran, d'accord. Non, je vais y répondre aussi. Non, mais je crois que le souci de François d'Orcival est que nos temps de parole soient à peu près équivalents, donc il faut respecter la volonté de notre modérateur. Moi non plus, je ne veux pas partir en guerre contre Poutine et Xi Jinping. Ça n'aurait pas de sens. Je crois simplement que la majorité, ce n'est pas un argument. Pour quelqu'un qui croit à l'universel, pour quelqu'un qui croit à la démocratie, pour quelqu'un qui croit au droit, la majorité n'est pas un argument. En Union soviétique, moi j'ai passé ma jeunesse à défendre en effet des femmes et des hommes dont on pensait qu'ils étaient une minorité, dont on a fini par découvrir qu'ils étaient le sel de la terre russe et dont on a fini par s'apercevoir qu'ils allaient triompher et renverser ce régime abject qu'était le régime soviétique. Si j'avais appartenu à la génération précédente, si j'avais appartenu à la génération de mon père, engagé dans les brigades internationales en Espagne, engagé dans l'armée d'Afrique, décoré à Monte Cassino, je suis sûr que les hommes de la génération de mon père avaient le sentiment qu'une majorité de l'Europe était gagnée à des idéaux abjects, mais qu'il y avait une minorité qui ne s'y résignait pas et que cette minorité devait être, ou minorité ou pas, devait être soutenue de toute leur jeune force et de leur jeune énergie, et ils avaient raison. Ce type de raisonnement, toute proportion gardée, je crois qu'il faut l'appliquer aux situations dont nous parlons aujourd'hui. Alors, ne pas partir en guerre contre Poutine, naturellement. Parler avec Poutine, j'entends ça, il faut parler avec Poutine. Bien sûr qu'il faut parler avec Poutine. Si j'étais un responsable politique, je parlerais sans arrêt avec Poutine. Mais, d'abord, je ne parlerai pas qu'avec Poutine. J'enverrai des gestes d'amitié et pas seulement des gestes, des signes et pas seulement des signes, des armes idéologiques et des moyens de reprendre courage à ceux que Poutine maltraite ou traite plus bas que terre. Et puis je défendrai autant que faire se peut la démocratie dans ces pays. Donc l'alternative, c'est pas faire la guerre ou pas faire la guerre. L'alternative, c'est conjoindre les exigences naturelles de la réelle politique avec notre devoir de démocrate, qui est de faire savoir à ceux qui partagent nos idées dans les pays en question qui ne sont pas aussi seuls qu'ils peuvent le croire dans leur moment de désespoir, que nous ne sommes pas des salopards égoïstes qui nous claquemurons derrière notre laboratoire démocratique et que nous pensons qu'ils sont bons pour la démocratie aussi. C'est ça le véritable enjeu. Et moi, c'est à ça que j'ai consacré ma vie par tous les moyens depuis l'époque très lointaine à laquelle François d'Orcival faisait allusion. Et on va prendre les choses très simplement. Regardez ce qu'a fait le président Macron. Je ne suis pas un fanatique du président Macron. J'ai voté pour lui, mais je suis tout à fait prêt à reconnaître s'il fait des erreurs. Enfin, ce qu'il a fait là, à Moscou, lors de son dernier voyage, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut faire. Traiter des affaires d'État à État avec le président qu'il recevait, qui est le président d'un grand pays, et puis envoyer des messages forts, à mon avis pas assez forts, à ceux qui incarnent l'honneur de la Russie, la grande culture russe, et qui partagent avec nous les valeurs dont nous disons et dont nous pensons, et on a raison de le penser, qu'elles nous sont consubstantielles. Il a fait les deux à la fois. C'est la tâche du président d'une grande démocratie. Cher Thierry, alors
Alors, je vais faire un commentaire là-dessus, puis on va peut-être attaquer les exemples, en effet, plus concrets, là. Bon, sur ce point, je crois que nous sommes, Bernard-Henri Lévy et moi, sur des scènes de théâtre, si vous voulez, différentes. Nous sommes sur des scènes différentes et nous nous adressons à des publics différents. Bon. Lui, nous connaissons, et j'ai infiniment de respect pour cela. Moi et un think tank comme l'IFRI, nous sommes sur une scène différente parce que nous essayons d'abord de comprendre de l'intérieur comment fonctionnent les pouvoirs dans le détail. Et ce n'est pas seulement les chefs d'État, le gouvernement, ce sont des organisations entières qu'il convient de comprendre, etc. Et nous nous adressons relativement peu à l'opinion publique, nous nous adressons aux décideurs. Et aux décideurs qui sont dans les milieux politiques, dans les milieux économiques. Et nous adressons aussi aux chercheurs, à tous nos pairs, PAIRS, dans le monde, qui travaillent dans les mêmes domaines, et aussi aux médias, mais ce n'est pas l'activité principale. Nous ne sommes pas engagés, nous ne sommes pas engagés pour défendre des causes. Effectivement, nous raisonnons sur l'ensemble des relations interétatiques, des relations internationales. Donc ce sont des points de vue différents. Vous avez cité Husserl. Tout à l'heure, moi, je suis très attaché au concept husserlien, s'il en est, d'intentionnalité, c'est-à-dire dans quelle zone l'esprit se dirige. Nous ne dirigeons pas, mais ce qui n'empêche pas d'ailleurs de pouvoir le faire à l'occasion, la preuve, bon, mais nous ne dirigeons pas notre radar cérébral, notre laser cérébral dans la même direction. C'est pour ça qu'on peut avoir des divergences, mais qui tiennent simplement aux positions que l'on occupe. Alors maintenant, je vais peut-être faire très rapidement des commentaires peut-être sur la Corée et sur l'Iran, parce que les exemples sont... Pardon ? Oui, ah ben oui, Jérusalem, on va le prendre à part. Voilà. Alors, mais sur la Corée, alors je vais dire des choses un peu lapidaires, et là comme analyste des relations internationales. Hein. Premièrement, la situation de la Corée du Nord est extrêmement différente, et même opposée à celle de l'Iran, en ce sens que, contrairement à l'Iran, les six principales puissances qui sont... les six, ça dépend comment on compte, principales puissances qui sont intéressées par le problème, ont toutes la volonté de maintenir le régime nord-coréen. C'est une citation. Personne ne veut changer le régime, ni les Coréens du Sud, je dirais surtout pas les Coréens du Sud, surtout pas les Japonais, surtout pas les Chinois, surtout pas les Russes, surtout pas les États-Unis. Donc, en fait, ça fait plutôt cinq. Voilà. Donc, pour des raisons diverses sur lesquelles je pourrais m'étendre très longuement. Alors, en même temps, aucun de ces pays, à part ne veut que la Corée du Nord n'accède effectivement à l'arme nucléaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un gigantesque cinéma où la Corée du Nord devient un État que j'appelle quasi-nucléaire, parce que... quasi-nucléaire, et ça lui donne une monnaie d'échange pour négocier. Pour négocier quoi? Une forme de reconnaissance et assurer, c'est donc presque le contraire de la situation iranienne, la pérennité du régime, et recevoir le maximum d'aide extérieure pour pouvoir développer lentement son économie sans risquer l'effondrement du régime. Voilà. En gros, c'est ça. Mais personne ne veut le changement de statu quo, parce que chacun des pays que j'ai mentionné très rapidement a beaucoup de choses à y perdre. Et donc, il y a cette espèce de coalition d'intérêts que moi, je suis depuis 40 ans à peu près. Hein, je vais en Corée, en tout cas du Sud, au moins une fois par an depuis des années et des années, ainsi qu'en Chine, au Japon, etc. Bon. Et je crois que c'est ça, la situation. Et je crois que, pour dire les choses comme elles sont, Kim Jong-un a roulé Trump. Bon, moi, oserais-je dire que je m'en suis aperçu tout de suite. Et j'étais stupéfait des réactions de beaucoup disant que Trump avait marqué un point, qu'il allait avoir le prix Nobel pour cette raison. En réalité, Kim Jong-un a absolument roulé Trump. Et comment a-t-il fait? Parce que, comme on l'a vu, d'abord, il était en sous-main, en négociation avec les Chinois. Il a rendu visite, il a surpris, par deux fois d'ailleurs,
Il a visité et s'est assuré du soutien de Xi Jinping. Et en plus, il a déstabilisé complètement ce pauvre Trump. J'ai pitié de Trump. Il a déstabilisé complètement ce pauvre Trump en notamment faisant un démantèlement unilatéral qui est totalement réversible d'ailleurs des installations qu'il a faites. Et le jeu continue aujourd'hui. Et je pense que pour le moment, on le voit bien d'ailleurs, que Trump s'est trouvé pour la première fois franchement déstabilisé et qu'il cherche à rattraper son coup. Voilà. Et là, nous sommes Trump, dans ce domaine comme dans d'autres, a cru que sa simple gestuelle et ses coups de menton allaient permettre de résoudre définitivement la dénucléarisation unilatérale de la Corée du Nord, ce qui n'a aucun sens. Et on va, dans le meilleur des cas, entrer dans une phase diplomatique beaucoup plus classique et qui s'étendra probablement sur de très nombreux mois, parce que ce sont des questions très délicates et on ne fait pas de diplomatie à coup de menton et à coup de tweet. Voilà. Et ça, il va finir par l'apprendre. Voilà. Alors peut-être que je m'arrête là, qu'on prendra les autres. Oui, tout à fait. On va revenir. Bernard est levé sur ce point-là. Sur la Corée, oui. Moi, je suis alors là, comme Thierry Monbrial, je suis très très consterné par le par la séquence qui est en train peut-être de s'achever. Consterné parce qu'en effet la Corée du Nord restera au seuil du nucléaire, ce qui est une catastrophe. Moi, je l'ai pas compris peut-être il y a 40 ans, mais enfin je l'ai compris il y a 10 ans lorsque j'écrivais mon livre sur Daniel Pearl et que j'ai découvert à l'époque les relations entre Abdulkader Khan, le Oppenheimer pakistanais, et la Corée du Nord, et Al-Qaïda, le Al-Qaïda naissant, cette espèce de triangularité effrayante entre la Corée du Nord, Al-Qaïda et Pakistan. J'ai compris là qu'il y avait un problème majeur pour la paix de la région, pour la paix du monde, et accessoirement, et aussi pour les Coréens. Donc je suis consterné de ça. Je serais consterné que les Chinois sortent de cette séquence avec dans le rôle du faiseur de paix et du facilitateur de tension, les Chinois, voire même les Russes, parce que par parenthèse d'ailleurs, à propos de Poutine, là aussi, moi, je n'oppose pas la politique du dedans et la politique du dehors. Et c'est peut-être justement parce qu'on lui laisse les mains libres à l'intérieur qu'il peut se permettre des actes hostiles, clairement hostiles, contre nous, contre l'Union européenne, contre l'espace aérien des pays voisins, contre les processus électoraux en Grèce ou peut-être en Italie, etc. Il y a quelque chose, Poutine et la Russie, c'est pas juste une affaire intérieure. Il y a aujourd'hui une volonté poutinienne de déstabiliser l'Europe, de soutenir les forces les moins européennes à l'intérieur du continent, et tout ça marche ensemble. Mais voir donc, à l'occasion de la crise coréenne, Xi Jinping, voire Poutine en faiseur de paix, c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Et troisièmement, peut-être le plus grave, Trump ou pas Trump, et je crois que l'Amérique est tellement plus grande que Trump, que Trump est au fond un épiphénomène, même si c'est un épiphénomène qui dure depuis, qui est fondé sur ce vertige depuis 25 ou 30 ans. Mais de tout ça va quand même sortir une chose gravissime, qui est un discrédit supplémentaire et peut-être irrémédiable porté sur la parole américaine. Alors, ce n'est pas la première fois. Lorsque Barack Obama, le 29 août 2013, s'est parjuré en observant que la ligne rouge de l'emploi des gaz chimiques avait été franchie, mais qu'il n'en tirait aucune espèce de conséquence, cela a été une opération de dévaluation sur la parole américaine considérable. Ce qui se passe aujourd'hui, la manière dont Kim Jong-un a roulé dans la farine Trump, ça parachève ça. Et alors, ça, un monde où la parole américaine ne vaudrait plus rien, où la signature américaine serait une signature dépréciée, serait un monde extraordinairement dangereux pour les peuples concernés et pour nous. Alors, est-ce qu'on peut résumer en quelques mots
c'est, tout ça est difficile parce qu'on pourrait y consacrer en effet une soirée, mais cette affaire d'Iran a-t-elle un écho, est-elle un écho ou au contraire une préface à ce qui s'est passé en Corée? Alors, je voudrais rebondir le rassembler parce qu'autrement on ne pourra plus traiter de nos autres sujets. Bernard Henry et moi, nous sommes tout à fait d'accord, je crois, sur cette question de parole américaine. Absolument. Et il y a quelque chose qui s'appelle aussi le droit international, qui est assez malmené, je dois le dire. Les plus forts ont tendance en général à considérer le droit international comme un instrument. Mais enfin, le peu que je sache en droit international s'exprime en latin sous la forme « pacta sunt servanda ». Bon. Et c'est-à-dire que les traités obligent l'État, pas le gouvernement d'un moment. Et quoi que l'on pense, quelque analyse que l'on fasse sur la situation iranienne, qu'on juge le traité de 2015 de bien ou mal, etc., etc., je crois qu'il est gravissime de s'être retiré de ce traité. Et là, il y a un lien avec la Corée, parce que je serais M. Kim Jong-un, ce que, heureusement, je ne suis pas, et j'espère que je ne lui ressemble pas, d'ailleurs. Mais je serai M. Kim Jong-un, je jouerai cette carte et il le fera, le moment venu. Il n'a pas intérêt à le faire maintenant, mais à un certain moment, quand on s'approchera d'un traité, il dira « Mais au fait, qu'est-ce qui me prouve que les États-Unis vont respecter leur parole ?» Donc c'est quelque chose de très grave. Voilà. Alors, deuxièmement, contrairement à l'histoire de la Corée, il y a beaucoup de gens qui aimeraient le changement de régime en Iran. Y compris, d'ailleurs, à l'intérieur du pays, nous le savons bien. Le problème, c'est que cette espèce de diktat d'ultimatum, parce que finalement, le discours de Pompeo l'autre jour, sous les auspices de la fondation de la Heritage Foundation, était absolument hallucinant. C'est-à-dire, c'était une liste qui équivalait à une capitulation totale et sans condition. C'est impossible. C'est impossible. Et Khamenei, le guide suprême, qui est déjà la plus grande, qui a laissé Rouhani faire, mais avec la plus grande méfiance, il y a des chances extrêmement sérieuses pour que tout ça se traduise par le retour des conservateurs et des durs au pouvoir. Et enfin, j'ajouterai que, comme je dis tout à l'heure, je crains. Je ne peux pas dire qu'il y a 100% de chance, mais je crains que... Je crois que les Iraniens sont extrêmement fiers. Ils sont nationalistes, tous. D'ailleurs, ils étaient derrière le Shah. Sur la question nucléaire, ils étaient derrière le Shah. Hein. La France a d'ailleurs, un temps, flirté avec l'idée de les aider pour acquérir l'arme nucléaire. Bon. Mais je crains qu'il y ait une mobilisation nationale qui se fasse malgré l'éventuel retour des conservateurs. Et last point, je suis certain que même avec des sanctions renforcées et tout cela, les Iraniens, parce qu'ils ont une connaissance du terrain énorme dans cette région, ont une capacité de nuisance qui va s'accroître par un accroissement du chaos et non pas une réduction du chaos, c'est-à-dire un accroissement d'un désordre au Moyen-Orient qui est déjà considérable. Et j'ajouterai que sur le long terme, nous sommes la Chine, dont nous avons peu parlé encore, a une longue, grande stratégie vers le Moyen-Orient, particulièrement vers l'Iran, et que cette grande stratégie est en train de s'approfondir. Bernard Ilvey. Bah écoutez, sur ce point, je crois que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Je pense que l'accord signé par Obama n'était pas un bon accord. Parce qu'il y manquait deux choses, quid après 2025 et la question des lanceurs de missiles, mais que pour les raisons que vient de dire Thierry de Montbrial, il valait mieux un mauvais accord que pas d'accord du tout. Première raison, parce que rien n'est pire que de laisser des fous pareils, des totalitaires, des islamo-fascistes, des hommes qui, dans certains cas, je me rappelle Ahmadinejad, pense qu'il faut élargir les avenues de Téhéran pour le jour où l'imam caché reviendrait, les laisser loin du regard, ne pas les avoir à l'œil, est une gravissime erreur politique. Ce genre de personnage-là,
il faut les avoir à l'œil. Et c'est ça que voulait dire le traité, l'accord, numéro un. Numéro deux, la Chine, c'est déjà le cas. Depuis quelques jours, je crois savoir, je suis beaucoup moins savant là-dessus que vous deux, mais je crois savoir que les contrats auxquels renoncent depuis quelques jours les groupes français et internationaux sont en train de se renouer à vitesse grand V avec les fonds souverains chinois. Là encore, je crois que c'est de la mauvaise politique, sauf à décider, ce qui est possible aussi, sauf à ce que la politique de Trump, ça rejoindrait ce que je disais tout à l'heure sur la volonté de briser les amarres reliant l'Amérique à l'Europe, consiste à noyer l'Europe, consiste à la ruiner, consiste à en faire une espèce de musée des beautés préhistoriques de l'Occident. C'est possible. Enfin, c'est le résultat, en tout cas, atteint, puisque toutes les relations qui étaient en train de se tisser déjà contre la mauvaise volonté américaine, qui voyait les Européens prendre un peu d'avance, sont en train de se finaliser avec les Chinois. Et troisièmement, cette question, en effet, de la parole. Oui, le droit international, c'est l'interdiction des armes chimiques, par parenthèse, ça c'est le droit international. C'est la responsabilité de protéger, ça c'est le droit international. Mais c'est aussi le respect des traités. Et un État, une très grande puissance, dont on se dirait dorénavant qu'à chaque changement de majorité, sa parole peut changer et la continuité de la décision être brisée, cet État-là deviendrait non pas une force de stabilité comme c'est la responsabilité des très grands États, mais une force de désordre potentiel. Alors, troisième décision, et celle-là, elle est symbolique et elle est passionnante, c'est Jérusalem. Jérusalem, donc reconnue par Trump tout seul, comme capitale de l'État d'Israël. Pourquoi est-ce passionnant ? Parce que, au fond, on a remarqué deux choses. D'une part, que l'Occident, d'une manière, une partie des Européens a condamné la décision de Trump, mais pas tous les Européens. Car, si vous regardez avec un peu d'attention, les Autrichiens, les Hongrois, les Polonais, les Tchèques, ne se sont pas associés à la condamnation européenne. De la même manière, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une forte opposition arabe à cette reconnaissance. Donc, je reviens à ma question. Qu'avez-vous à dire sur le geste de Trump à l'égard de Jérusalem ? Thierry de Montbrial. Alors, d'abord, au risque peut-être de surprendre certains d'entre vous, dans le contexte global, cela me paraît une décision anecdotique. Qui, d'ailleurs, je crois que la plupart des analystes sont d'accord sur ce point, tient beaucoup plus à la politique intérieure américaine. Incidemment, je crois que le sujet, on n'a pas le temps de le traiter ce soir, mais du rapport du dedans et du dehors est à l'évidence un sujet majeur, parenthèse refermée. Mais je crois, et là aussi, il me semble que nous sommes d'accord, que Trump, personnellement, se fiche complètement d'Israël en tant que tel et des fondamentalistes chrétiens qui poursuivent le même objectif pour différentes raisons. Voilà. Les évangélistes. Alors, oui. Pourquoi est-ce que je dis que c'est anecdotique et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, finalement, il n'y a pas eu énormément de réactions, même chez les Arabes, qui ont été extrêmement discrètes. Oui. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est l'alliance contre nature qui s'est forgée ces derniers temps entre l'un des rois malfaisants, je veux dire l'Arabie saoudite, Israël, et les États-Unis, qui est à l'évidence une alliance de circonstances. C'est une alliance de circonstances qui est dirigée contre... Toutes les alliances sont de circonstances, mais à ce moment-là, cher François, il faudrait reprendre, et on ne va pas le faire ce soir, la question de l'Alliance Atlantique. Et quand j'ai dit tout à l'heure que même l'Alliance Atlantique était moribonde, je veux dire qu'elle est peut-être, elle aussi, mais à une échelle de temps plus grande, une alliance de circonstances. Mais enfin, pour revenir ici, le problème, c'est en effet l'Iran. Donc, c'est la question de l'Iran. Et je me demande
Comment cela va évoluer dans la longue durée, si vous voulez, parce que paradoxalement, avant la révolution iranienne, rappelez-vous, l'Iran était le principal allié de la région, le principal allié d'Israël. C'était contre les Arabes, précisément, contre les Arabes qui voulaient remettre en question l'existence de l'État d'Israël. Et si Ahmadinejad et ses successeurs prêchent la croisade contre Israël, ce n'est pas dirigé vers l'opinion publique iranienne, c'est dirigé vers les opinions publiques arabes pour leur dire, le message est essentiellement de dire, vous voyez, nous, Iraniens, nous défendons en réalité vos intérêts beaucoup mieux que vos dirigeants corrompus. C'est très, très, très vicieux et au second degré, ces affaires-là. Et la question que l'on peut se poser, en particulier par rapport à l'Arabie saoudite, qui elle-même est un sujet très important en soi, c'est nous sommes aujourd'hui clairement dans une situation qui n'est pas une situation entre guillemets normale, ou est-ce que tout cela peut nous conduire, et naturellement ça passe aussi par la question de la Syrie et tous les drames qui sont en train de se jouer, et ça veut dire quels sont, je termine avec ça, n'est-ce pas, l'éventuel retour d'un ordre au Moyen-Orient suppose une sorte d'accord entre les principales puissances. Là-dessus, je raisonne de manière extrêmement classique, hein, c'est-à-dire les puissances extérieures, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la France et la Grande-Bretagne, et pour des raisons particulières l'Allemagne, enfin en particulier les deux membres européens du Conseil de sécurité, et les principales puissances de la région, qu'on le veuille ou non, c'est la Turquie, c'est l'Iran, c'est l'Arabie saoudite d'une certaine manière, très différemment des autres, c'est l'Égypte et naturellement Israël. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Perpétuel, Bernard-Henri Lévy. Sur la question des alliances, d'abord, oui. François Dorcival a raison. Toutes les alliances, enfin, aucune alliance n'est vraiment naturelle. Et quand on est Israël, c'est-à-dire un État seul, campant à part des nations, vivant dans une situation de précarité permanente, c'est vrai qu'il y a une tentation que je comprends assez bien de prendre ce qui vient. Et ce n'est pas la première des alliances contre nature qu'est nouée Israël, mais ça, c'est le fruit de cette incroyable solitude dans laquelle vit cet État et cette démocratie depuis sa naissance. Premièrement. Deuxièmement, Jérusalem anecdotique, c'est pas faux. Ce qui n'est pas anecdotique, par contre, et pour parler d'alliance, le phénomène majeur de tout ça, la vraie guerre qui menace, le choc qui se profile et qu'il faut peut-être conjurer, c'est le choc entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Vous savez, comme moi, vous le savez tous ici, je pense, que l'Arabie saoudite, c'est ce volcan idéologico-religio-économique où 25% du territoire recèle l'essentiel des réserves pétrolières est peuplé à 75% de chiites. L'Arabie saoudite, la bande pétrolière sur laquelle est assise la richesse de l'Arabie saoudite, est peuplée en grande majorité, je ne sais pas si c'est 75, mais enfin c'est de cet ordre, de chiites. Ce qui se profile, c'est en effet un choc majeur entre l'Iran et l'Arabie saoudite, pour le contrôle des richesses, pour le contrôle des lieux saints. On peut imaginer même, alors là, pour le coup, des alliances de toutes sortes. On peut imaginer une joint venture l'Iran chiite allié à un grand pays sunnite et déstabilisant, voire démembrant, voire renversant l'ordre régnant en Arabie saoudite. Tout ça est possible. Et pour moi, c'est la question centrale de la région, sur laquelle peu d'observateurs ont l'œil, mais ça, c'est une question sérieuse. Quel sera le rôle de l'Égypte dans une configuration de ce genre? Qui aurait le contrôle des lieux saints si les... Bon, etc. Après, Jérusalem, et c'est une question secondaire, mais enfin, anecdotique plutôt, mais pas secondaire.
et c'est pas secondaire. C'est dire relativement anecdotique. Oui, oui, voilà, voilà. Ma position sur cette affaire de Jérusalem est la suivante. Une part de moi a été heureuse d'apprendre la décision de Trump, parce que je suis de ceux qui pensent qu'Israël a pour capitale Jérusalem, qu'il n'y a pas d'autre statut possible pour le Jérusalem futur et pour les peuples du monde en général et pour les grandes religions monothéistes de la région qu'un Jérusalem sous autorité israélienne. On sait tous que les églises chrétiennes ne sont honorées, ne sont fréquentées et n'ont été tirées des ruines que depuis qu'elles sont entre les mains et sous la protection d'Israël. Donc, moi, je suis pour cela, avec deux réserves. Et je ne pense pas du tout l'argument qu'on a beaucoup entendu, que Trump a allumé la mèche, que c'était une provocation, que les émeutes, la marche du retour de Gaza a été liée à cela. Évidemment, non. La marche du retour de Gaza, elle était prévue de longue date. Elle venait commémorer ce que les Palestiniens appellent la Nakba. Elle aurait eu lieu quoi qu'il arrive, elle aurait eu ni plus ni moins d'intensité. Elle avait ses raisons de se déclencher. Elle a eu ses raisons de s'arrêter, sur lesquelles j'ai ma petite idée. Tout ça n'a rien à voir avec Jérusalem. Néanmoins, j'ai deux grandes réserves sur ce geste trumpien. Si on parle un peu sérieusement, hein, j'ai deux réserves fortes. La première réserve, c'est que moi, je continue de croire à la solution des deux États avec la Palestine, et je continue de croire que cette solution des deux États ne pourra venir que d'une discussion bilatérale, comme on dit, c'est-à-dire d'une discussion franche et loyale entre les protagonistes. J'ai toujours été hostile à toutes les initiatives unilatérales prises par les partisans des Palestiniens, que ce soit la reconnaissance unilatérale de l'État par tel ou tel parlement. J'ai toujours trouvé que c'était un geste contre la paix, que c'était une façon d'enterrer la paix. Comme je suis un peu cohérent comme garçon, je pense la même chose quand c'est les amis d'Israël, y compris moi. La décision de faire de Jérusalem la capitale d'Israël, j'aimerais qu'elle soit prise par le concert des nations après une négociation entre les Palestiniens et les Israéliens, dont je continue de penser qu'elle adviendra, et cette question en étant un des points les plus importants. Puis la deuxième raison, c'est que, en effet, vous l'avez dit, je crois, très, très brièvement, moi, je crois que les gestes en politique, c'est le contraire de la vie. Dans la vie, on dit souvent, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des gestes d'amour. En politique, c'est l'inverse. Il n'y a pas de gestes d'amour, ce qui compte, c'est l'amour profond. Et sur un sujet aussi brûlant que celui-là, une décision aussi importante que celle-là, si elle n'est pas appuyée sur un amour sincère des Américains, de Trump, pour Israël et pour ce que représente Jérusalem, un, je crois que ça ne vaut pas grand-chose, et deux, je crois que ça peut se retourner contre ceux qui en sont en principe les bénéficiaires. Et je rapporte dans mon livre, je ne vais pas le faire ici, on n'a pas le temps, mais je rapporte une page du Talmud sur Joseph, ses frères et le Pharaon, où l'on voit bien ce que peut coûter au peuple juif des décisions qui ne s'appuient pas sur une authentique Ahavat Israël, c'est-à-dire un authentique amour du peuple juif. Et on en a une petite idée d'ailleurs dans cette cérémonie d'inauguration de l'ambassade, que j'ai pas trouvé spécialement obscène, pas du tout obscène d'ailleurs, comme l'ont dit beaucoup de commentateurs. Il y a une chose que j'ai trouvée obscène, pas le discours de Jared Kushner qui était un bon discours, pas la présence de la fille de Trump, que j'ai trouvé, mais certains des grands invités d'honneur de la diplomatie américaine, deux en particulier de ces pasteurs baptistes et néo-évangéliques, dont je sais, parce que je les connais, que ce sont des gens qui ont pour le moins des sentiments extrêmement mitigés sur la question de ce qu'être juif veut dire et de ce que avoir fondé Israël signifie. Voilà. Bernard-Henri Lévy, vous allez répondre. Ah, pardon, Thierry, non, pardon.
Non, ça, c'est, il fallait que ça arrive. On peut switcher, ce serait bien. Non, je voudrais deux remarques sur tout ça. La première, c'est la question des protagonistes, enfin de ce que vous venez d'expliquer sur les. Et il faudrait d'abord que les protagonistes se mettent d'accord et ensuite l'extérieur, en somme, la entre guillemets, communauté internationale. Je vous dis au passage, je mets toujours des guillemets à communauté internationale. Il n'y a pas de communauté internationale, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, exactement pour les raisons que vous disiez vous-même sur le fait que les affaires du dedans et les affaires du dehors sont inséparables, l'extérieur fait partie des protagonistes. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire Israël. Vous avez, je trouvais que ça un petit peu exagéré, dit qu'Israël, la solitude abyssale des États-Unis, mais enfin, je fais un lapsus intéressant, la solitude abyssale d'Israël. En fait, Israël est soutenu massivement depuis des années et des années par les États-Unis. Les États-Unis sont partie intégrante du problème. C'est inévitable, à un moindre degré, les Européens. Donc je crois que nous sommes d'accord, sur, en particulier sur les deux États, mais il reste à voir qu'est-ce qu'on appelle exactement les protagonistes. Bon. Alors l'autre point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais ces deux pays n'ont rien à voir. Rien à voir. L'Iran, la Perse, il y a d'ailleurs dans votre livre des remarques extrêmement intéressantes à propos de la marque Iran, si je puis dire. Mais l'Iran, la Perse est un très très vieux pays, État-nation, avec une identité extrêmement forte, une population supérieure, je crois, à 80 millions d'habitants. Tandis que l'Arabie Saoudite, c'est une construction extrêmement récente, extrêmement fragile. Faut-il rappeler que le roi Salman actuel que tous les rois qui ont régné jusqu'ici sont tous des fils. Il est vrai qu'il en avait beaucoup du fondateur Abdulaziz, mais que la construction nationale saoudienne est extrêmement fragile. D'ailleurs, vous l'avez dit autrement tout à l'heure à propos du pétrole, etc. Voilà. Et que la population, naturellement, quand on dit 30 millions d'habitants, c'est une estimation largement supérieure. Et j'ajoute que la viabilité, y compris, vous pouvez leur donner tous les avions, les pilotes, etc., est-ce qu'ils sont capables de mener des opérations militaires complexes ? Je n'en suis pas sûr. Du tout. Donc, il n'y a pas symétrie. C'est simplement ça que je voulais dire entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et ceci renforce la question du jeu des alliances. Alors, nous arrivons tout de même au terme de ce débat, et avant d'achever ce débat entre nous et de pouvoir vous donner la parole, je voudrais vous poser une dernière question qui, naturellement, est majeure. C'est qu'au fond, nous avons étudié cette situation internationale entre les acteurs, et c'est votre titre qui nous y a conduit, l'Empire et les Saint-Croix. Nous avons examiné tout cela de manière approfondie à travers différents sujets. Mais il y a aujourd'hui un acteur qui n'est pas un acteur, incarné autrement que par une foule, ce sont les mouvements de population, c'est-à-dire les mouvements démographiques et c'est cette crise qui atteint l'Europe. Donc, la démographie, le fait que l'Europe soit aujourd'hui le théâtre de ces mouvements de population venus d'Afrique ou d'Orient ou d'Asie occidentale, ce que transportent ces mouvements de population. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans la manifestation de samedi dernier, c'était des mouvements, des drapeaux palestiniens en tête de manifestations qui n'avaient rigoureusement rien à voir. Donc, elle transporte un islamisme radical. Qu'en est-il? Et qu'est-ce que vous voyez, que voyez-vous comme conséquence sur le continent européen? Donc, Thierry de Montbrial vient de s'exprimer en vous répondant. J'aimerais donc que vous traitiez, pour finir, cette question, tous les deux. Pour moi, ce sont deux questions. Et justement, je crois que le piège serait de les lier. La question de l'islamisme radical et la question de ceux dont je ne suis pas sûr
qu'il soit approprié de les appeler les migrants. Enfin, admettons. Islamisme radical, je pense que c'est le problème majeur auquel le monde fait face aujourd'hui. Oui, c'est en ce sens que vous, problème, vous dites qu'il est mondial, il n'est pas seulement européen. Il est mondial. S'il y a aujourd'hui une guerre de civilisation, c'est celle qui, à l'intérieur du monde de l'islam, sépare les modérés des extrémistes, l'islam des lumières de l'islam des obscurités, l'islam du droit et de la démocratie qui s'incarne en Bosnie, au Kurdistan, au Maroc, et l'islam totalitaire de l'autre. Donc ça, c'est une question majeure qui n'a pas fini de produire ses effets partout dans le monde. Et vis-à-vis de cela, il faut être intransigeant, il faut penser ça et agir contre, comme on l'a fait avec les précédents totalitarismes. Et moi, je l'ai écrit ça depuis 1994 dans un livre qui s'appelait « La pureté dangereuse », où je proposais le concept, la notion d'islamo-fascisme, et où je disais qu'il y avait eu le nazisme, il y avait eu le communisme, et il y a aujourd'hui l'islamo-fascisme, et que le même type de détermination, d'intelligence éventuelle politique qui s'était mobilisée contre les précédents totalitarismes devrait être mobilisée contre celui-là. Et je suis, de ce point de vue d'ailleurs, très hostile à ceux qui se cachent derrière leurs petits doigts, qui nous expliquent que l'islamisme radical ne s'appelle l'islamisme qu'en vertu de je ne sais quelle homonymie, que ça n'a rien à voir avec l'islam, et ainsi de suite. Il y a aujourd'hui une version de l'islam radicale, terroriste, assassine. C'est l'affaire des musulmans que de la penser. C'est leur affaire que de la traiter. Ce serait leur affaire, dans un monde idéal, que de renouer avec une tradition d'interprétation dont ils sont aussi les héritiers, mais qui s'est éteinte depuis des siècles et qui permettrait de contextualiser, de réviser, d'interpoler les versets criminels du Coran, etc. Ça, c'est la question de l'islam radical. Elle est extrêmement sérieuse. Après, la question des migrants, c'est pas la même. Parmi les migrants, il y a parfois, bien sûr, un islamisme radical, mais il y a tout aussi souvent, et à mon avis beaucoup plus souvent, des femmes et des hommes qui ressemblent à ce jeune Malien héroïque qui vient d'être honoré par la nation française parce qu'il s'est rendu responsable d'un geste magnifique qui est dans l'esprit et dans le génie de la France, qui a consisté de sauver ce petit garçon suspendu dans un étage élevé de cet immeuble, etc. Donc surtout pas de ne pas les penser ensemble. Et sur la question des migrants, je crois que être européen, être occidental et être européen, c'est essayer de penser ensemble deux choses. Un devoir d'hospitalité inconditionnelle vis-à-vis de ceux qu'on appelle les migrants, et un devoir d'hospitalité moralement inconditionnelle, et une hospitalité concrète politiquement conditionnée par la situation des pays d'accueil, par l'état de leur économie, par la fragilité de leur société, etc. C'est-à-dire que cette question-là, c'est la question par excellence où les deux éthiques de responsabilité et de conviction, où la question de la morale et de la politique doivent s'articuler de manière extrêmement prudente, extrêmement savante d'ailleurs parfois, mais en tout cas résolue. C'est ça le problème. On ne peut pas tourner le dos, on ne peut pas dire que ce n'est pas notre affaire, surtout quand la majorité de ces migrants, par parenthèse, viennent d'un pays, la Syrie, qui est en guerre pas tout à fait par hasard, et qui est en guerre peut-être aussi parce que les États-Unis d'Amérique, en 2013, se sont parjurés et n'ont pas tenu parole. Donc on ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas non plus ouvrir les frontières d'un État souverain et abolir les règles de constitution politique des nations européennes comme ça. Donc, joindre ces deux questions-là, penser à la fois ce devoir moral d'hospitalité et ce devoir politique de limitation,
Voilà, je crois, la tâche qui nous incombe si nous sommes fidèles à l'héritage de l'Europe et de l'Occident. Thierry de Montbrial. Je pense que nous sommes assez fondamentalement d'accord, mais je vais dire des choses à ma façon et peut-être en soulignant d'autres aspects. Bon, d'abord, oui, il faut distinguer le problème du terrorisme international du problème très vaste, n'est-ce pas, des mouvements migratoires, de réfugiés. Et il faut d'ailleurs distinguer aussi, au moins conceptuellement, n'est-ce pas, les deux. Sur le premier point, il faut remonter très loin pour trouver les racines de ce terrorisme islamiste. Et il serait intéressant aussi de voir les responsabilités qui sont aussi très souvent occidentales. Et pardon, Dieu sait que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un anti-américain, ni primaire ni secondaire. Mais les erreurs politiques américaines ont été colossales et répétées. Je prends deux exemples, n'est-ce pas? Après le retrait soviétique d'Afghanistan, les États-Unis ont laissé tomber du jour au lendemain le Pakistan et portent donc une responsabilité écrasante dans les premières conquêtes des talibans. Et pour prendre un deuxième exemple, je pourrais en donner beaucoup d'autres, mais l'erreur politique majeure qu'a consisté après le renversement de Saddam Hussein, je ne reviens même pas sur le renversement de Saddam Hussein en tant que tel, mais à partir du moment où cette décision avait été prise et où il avait été renversé, renvoyer tous les militaires dans leur foyer a été une erreur, mais une erreur politique colossale. Et Daesh n'aurait pas existé sinon. C'est parce que c'est essentiellement les officiers qui ont été congédiés. Il y a tous ces gens-là qui sont des manipulateurs de la religion. Je n'ai pas cité mes propres livres, mais je le cite juste cette fois dans mon dernier livre, « Vive le temps des troubles ». Je fais une analyse assez des différentes formes de ce qu'on appelle la religion. Il y a tous les aspects de la religion. Il y a la manipulation politique des religions à des fins criminelles. En réalité, là, nous sommes en plein dedans. Et les ex-généraux de Saddam Hussein, qui se sont vengés, en somme, n'étaient certainement pas plus croyants musulmans que la plupart des chrétiens qui se disent chrétiens, ou même d'ailleurs des juifs qui sont juifs, on en a parlé une fois ensemble, qui sont juifs pour des raisons qui sont davantage une marque d'identité, de peuple, d'histoire, que pour des raisons transcendantales, on va dire. Voilà. Donc il y a eu des erreurs considérables. Et au moins, les erreurs, c'est pas fait. Quand on parle d'erreurs, c'est pas fait pour condamner qui que ce soit. Hein. Qui serions-nous, nous, pour juger, condamner les autres? Mais qu'au moins, on essaye de réfléchir dessus pour ne pas les reproduire indéfiniment. C'est ça le problème. Voilà. Alors, cela étant dit, les choses étant ce qu'elles sont, on en a pour longtemps. Et il faut donc ensuite lutter contre ça par toute une série de moyens. On ne va pas rentrer là-dedans. Bon. En ce qui concerne l'aspect des mouvements migratoires, et en particulier des réfugiés, le seul point que j'ajouterais à ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy, c'est que, et c'est proche d'ailleurs de ce qu'il a dit en termes pudiques sur l'aspect moral versus l'aspect politique, mais c'est que quand on ouvre les portes trop grand parce qu'on a le cœur large, il faut s'attendre au boomerang politique. Et c'est ce que nous voyons. Madame Merkel a remporté finalement péniblement les élections, mais l'Allemagne se trouve aujourd'hui dans une situation avec une centaine de députés AfD. Et je dois dire que le climat politique qui en résulte a des aspects fétides. Bon. Et je n'ai pas besoin de faire la liste des mouvements populistes se développent un peu partout, et le plus dernièrement en Italie. Et je crois que l'éthique de responsabilité
c'est justement de prendre en compte et d'essayer d'anticiper autant que faire se peut les conséquences, non seulement primaires, mais secondaires et tertiaires, de ces actes. Et je ne voudrais pas qu'on termine cette réunion par des polémiques, mais peut-être dans d'autres occasions. Mais nous n'avons pas, par exemple, sur cette question qui a fait l'objet de tant de controverses, fallait-il intervenir ou pas en Libye, etc., etc. Bon, bien, d'avoir l'invité, la première. Non, mais je dirais simplement une chose, et que quelques... Moi, c'est très difficile de répondre par oui ou par non à une question aussi complexe. Mais ce qu'on peut dire à coup sûr, et ça, les principaux acteurs eux-mêmes de la question le reconnaissent, c'est que l'affaire n'a pas été suffisamment pensée. Voilà. En 2003, le renversement de Saddam Hussein n'a pas été pensé. Renverser un dictateur, c'est bien, mais il faut réfléchir à l'avance aux conséquences, surtout quand elles sont largement prévisibles. Voilà. Et donc, la fin de l'histoire, dans ma réponse, peut-être nous ramène au rôle des think tanks, au rôle de ce que des gens comme nous, un peu experts de relations internationales, cherchons à faire. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'idéologie dans le meilleur sens du terme, d'ailleurs. Hein. Nous ne menons pas des combats, mais qui, par ailleurs, ont leur raison d'être. On n'est pas, je reviens sur le fait que nous sommes sur des scènes différentes, mais nous essayons, autant que faire se peut, d'analyser les situations pour essayer de comprendre le mieux possible les conséquences des décisions qui peuvent être prises et de façon à essayer d'aider les décideurs. Donc c'est un point de vue un peu différent, un peu frustrant. Et moi, la réelle politique, j'utilise jamais le mot de réelle politique. La réelle politique, c'est la réelle politique. Bon. Mais le réalisme, ce n'est pas la réelle politique. Être réaliste, comme son nom s'indique, comme le nom l'indique, c'est de comprendre aussi objectivement que possible les situations pour essayer le mieux possible de prévoir les conséquences des actes. Je m'arrête là parce que sinon on va absolument déséquilibrer encore le... Non, non, on ne déséquilibre rien du tout, mais nous allons clore là le débat entre Bernard-Henri Lévy et Thierry de Montbrial pour ce qui est de la conversation que nous avons eue ensemble. Je vais seulement demander, puisque les micros sont disponibles, à ceux et celles qui souhaitaient poser des questions, qu'ils le fassent de manière très brève. Nous écouterons l'ensemble de ces questions. Donc les questions vont se succéder et chacun, parce que nous allons nous donner maintenant une limite de temps, Bernard-Henri Lévy comme Thierry de Montbrial répondront à l'ensemble de ces questions, non pas une par une, parce que là, nous sortirions complètement de notre épure, mais à ces questions d'une manière plus générale. Donc, n'hésitez pas à poser ces questions de manière brève. Bernard-Henri Lévy et Thierry de Montbrial vont y répondre de manière globale. Le micro est là. Qui a une première question à poser? C'est le plus difficile. Dorothée. Voilà. Bien sûr. C'est pas un coup monté. Hein, ça. Non, le coup monté, c'est que je voulais absolument pouvoir poser ma question à Bernard-Henri Lévy. Je suis très impressionnée par votre capacité à définir pas seulement vos alliés, mais vos amis, et finalement à mettre de l'affect aussi dans vos choix politiques. Et parmi ces amis, je m'intéresse particulièrement à la communauté kurde. Je voulais donc savoir qui, pour vous, sont aujourd'hui les champions des Kurdes, qui sont ceux qui sont capables de porter un projet politique viable. Est-ce que ce projet est un projet d'État et est-ce qu'il peut s'insérer dans un ordre pacifique et durable au Moyen-Orient ? Merci beaucoup et bravo pour la qualité de votre question et sa construction. Autre question ? Denis, s'il vous plaît. Attends, le micro. J'ai compris de vos interventions extrêmement intéressantes que nous vivions en effet un temps de trouble et que le soldat Ryan ne viendrait plus, ou en tous les cas que le soldat Gomez, hispano-américain, ne viendrait plus. Quel est le rôle de l'OTAN dans cette affaire aujourd'hui ? Très bien, merci beaucoup. Autre question ? Le micro ? Voilà. La Libye, il y a une réunion à Paris, une initiative française. Voilà, un commentaire sur la Libye. D'ailleurs, dans une perspective africaine aussi, il y a des chefs d'État africains qui sont à cette réunion sur la Libye. Non. Merci. Autre question ?
L'ONU n'a été cité à aucune reprise durant ce débat. C'est intéressant en soi. Qui ? L'ONU n'a pas été cité une seule fois lors de ce débat. Oui. Est-ce que les uns les autres, vous la mettez dans la même catégorie que l'OTAN ? Très bien. Bonne question. Merci beaucoup. Excellent. Encore une au l'avant-dernier rang et une au premier rang. N'y a-t-il pas une certaine naïveté à vouloir traiter avec le régime des mollahs iraniens qui déclare chaque matin en se levant qu'il veut éradiquer Israël de la carte et exterminer accessoirement les juifs, pourquoi pas, et faire comme si ces propos n'étaient pas tenus, comme si ce n'était pas la politique affichée du régime iranien, et comme si finalement on pouvait, comme peut-être sans faire de comparaison qui pourrait être déraisonnable, faire ce que les Européens il y a 80 ans ont fait avec Hitler, c'est-à-dire ignorer le danger en pensant que par une forme de pensée diplomatique magique, la situation pourrait par elle-même s'améliorer. Les fameux Munich auxquels pense si souvent Bernard-Henri Lévy. Question au premier rang et ensuite Hervé Mariton au deuxième rang. Question. Ah, et l'ambassadeur, pardon. On se souvient que Tocqueville avait prévu un affrontement entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Comment voyez-vous l'évolution des relations entre la Chine et les États-Unis dans les 30 ans qui viennent ? Merci beaucoup. Enfin, on organisera une autre réunion, je crois. Monsieur l'ambassadeur, au premier rang, puis monsieur Mariton. Merci, monsieur Bernard-Henri Lévy. C'est très passionnant de vous entendre parler de la Corée du Nord. Alors, nous sommes à la proximité de ce pays, et comment jugez-vous la capacité de négocier de ce pays ? Est-ce qu'on peut le traiter comme un pays normal qui a toutes ses capacités de négociation, ou bien doit-on le traiter autrement ? Merci, monsieur l'ambassadeur, monsieur Mariton. Merci. Vous avez l'un et l'autre remarquablement décrit le long fil des désordres du monde. Mais dans ces désordres aujourd'hui, est-ce qu'on observe des phénomènes qu'on pourrait qualifier d'innovants ? Et au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins accorder à Trump, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, une certaine capacité disruptive ? C'est, je crois, Einstein qui disait à peu près qu'était fou l'homme qui répétait une expérience dont il avait constaté qu'elle ne marchait pas. Au regard d'un certain nombre de situations qui ont du mal à se régler aujourd'hui, est-ce que Trump n'a pas, mais on peut évidemment être tragique aussi dans son innovation, mais au moins le mérite, peut-être parfois au-delà de sa propre conscience, mais de certaines formes d'innovation. Merci beaucoup. Micro, premier rang. Oui, une troisième entité dont on a peu parlé. Ministre de l'ambassade d'Allemagne. Oui, une troisième entité dont on a peu parlé aujourd'hui, c'est l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée macronienne de la souveraineté européenne, c'est-à-dire de cette idée que les États-nations de taille européenne sont tous trop petits pour agir isolément, enfin pour agir avec poids sur la scène internationale d'une manière isolée ? Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes très impressionnés par la qualité, et non pas surpris, très impressionnés par la qualité de ces questions. Je vais donc demander à Bernard-Henri Lévy et à Thierry de Montbrial de répondre librement à celles qu'ils ont reçues, en quelque sorte. Mais donc, ce sera une réponse aux différentes questions qu'ils auront choisies chacun, que ce soit les mêmes ou qu'elles soient différentes. Et c'est ainsi que nous allons conclure cette rencontre. Bernard-Henri Lévy. Écoutez, oui, moi j'essaierai de répondre en quelques mots à chacune, parce que toutes me semblent en effet bien pertinentes. Sur la Chine et les États-Unis, évidemment que c'est l'enjeu qui vient. Il y a d'ailleurs un livre qui est paru il y a quelques mois aux États-Unis de Graham Allison qui s'appelle « Le piège de Thucydide ». Et qui compare la relation des États-Unis à la Chine, à la relation de Sparte et Athènes,
qui redoute le moment où la puissance déclinante perd ses nerfs face à la puissance ascendante et qui dit que c'est de là que peut venir l'étincelle de la guerre. J'espère qu'il se trompe, mais c'est en effet la vraie question. Et je suis personnellement très plein de doutes lorsque j'entends certains analystes nous dire, avec beaucoup de science souvent, que la Chine n'est pas une puissance agressive, qu'elle n'a pas cette tradition, que ses grands amiraux s'arrêtaient régulièrement en Mozambique et n'allaient jamais plus loin, que leur flotte était systématiquement désarmée, qu'elle était punie de toutes les peines de l'enfer, quiconque construisait un bateau de plus de je ne sais combien de tonnes. L'histoire peut changer, même les grands empires immobiles, et on peut tout à fait imaginer une Chine qui deviendrait véritablement agressive et qui romprait avec cette tradition d'immobilité impériale qui a été la sienne. Donc pour moi, c'est en effet un vrai sujet. La disruption. Bien sûr que la disruption peut être une vertu, mais la politique est un art, et c'est un art. Pour n'importe quel lecteur de Machiavel, ce que sont les meilleurs de politique, le mot n'est pas de trop. C'est un art tellement difficile, c'est un art tellement complexe, qu'il n'y a jamais une vertu qui, en tant que telle, pourrait suffire à caractériser, forger un caractère politique. Donc la disruption toute seule, ça ne veut rien dire. Disruption avec la sagesse, disruption avec le savoir, disruption avec le sens de l'intérêt collectif, formidable. Mais disruption adossée à tout ce que je décrivais en commençant sur Trump et adossée à une ignorance que tous les commentateurs américains ont souligné, comme c'est le cas de Trump, ça ne va pas. Disruption pour disruption, j'aime par exemple les disruptions de Macron. Voilà un disruptif. Mais un disruptif appuyé ou habité par un certain nombre d'autres soucis qui font de sa disruption une arme de création massive de valeurs politiques. Voilà. Donc sûrement pas la disruption en tant que telle. Traiter avec l'Iran comme si l'Iran n'était pas ce pays qui, tous les jours que le bon Dieu fait, se réveille en rêvant de la destruction d'Israël et des Juifs. Bien sûr que non. Il faut traiter avec l'Iran en se souvenant tous les jours que tel est le rêve de l'Iran. Il faut traiter avec l'Iran en sachant que aujourd'hui, même si dans le passé, à l'époque du Shah d'Iran, il y a eu des relations de grande fraternité entre les Perses et les Juifs, mais aujourd'hui, il y a en effet cette volonté d'annihilation, et il y a le fait que l'Iran est le dernier pays au monde où l'on rêve vraiment d'une solution finale à la question juive, comme on disait au XIXe siècle. Mais ça n'empêche pas de traiter ça. Il faut traiter en sachant ça. Il faut traiter en intégrant cela au calcul politique, à l'analyse et à l'action. La question de la Libye. Je ne sais pas quel est le... En trois mots. En trois mots, oui. En trois mots, bien sûr qu'on est allé trop vite. Mais il y a des moments où c'est l'histoire qui décide. Les think tanks sont très utiles. Ils font un travail extraordinaire. Mais il y a un moment où l'histoire s'accélère, où la décision s'impose et où on n'a pas le temps de mobiliser les think tanks et de produire de la connaissance. À l'époque... Je suis assez bien placé, je crois, pour le savoir. Les chars de Kadhafi étaient aux portes de Benghazi. Misrata était l'objet d'un siège absolument démoniaque. Il fallait agir très vite. Et c'est l'honneur du président Sarkozy, à l'époque, que de l'avoir fait. J'observe, puisqu'on parlait des migrants tout à l'heure, que lorsque vous regardez, on peut dire ce qu'on veut de la Libye, lorsque vous regardez la carte d'origine des fameux migrants, la Libye... les Libyens arrivent en toute queue de la liste. Il y a la Syrie, il y a les Soudanais, il y a les Burundais, il y a beaucoup de pays africains. La Libye arrive en queue de la liste. Voilà ce que je pense sur la Libye. La question de l'OTAN. La question de l'OTAN, il en va de l'OTAN comme de ces alliances dont on parlait tout à l'heure, comme de ces communautés internationales ou autres. Maurice Blanchot parlait des communautés inavouables ou des communautés imparfaites, des communautés jamais tout à fait formées. Le propre des communautés humaines par rapport aux communautés animales, c'est qu'elles sont toujours imparfaites. Elles sont toujours provisoires, elles sont toujours sujettes à révision. On peut toujours faire un petit peu mieux et il faut toujours redouter qu'on fasse un petit peu moins bien. Donc l'OTAN, c'est ça. C'est une alliance d'intérêts, c'est une alliance de puissances disparates.
Et il y a des moments où il faut évidemment réfléchir. Par exemple, sur la question de l'OTAN, pour moi, il y a un vrai problème aujourd'hui. C'est la présence de la Turquie. Je pense, en mon âme et conscience, et Dieu sait que je ne suis, d'abord, je ne suis pas anti-turc, que j'ai le plus grand respect pour la culture ottomane, que je suis de ceux qui se posaient vraiment dans les années 90 et au début des années, au tout début des années 2000, la question des rapports entre l'Europe et la Turquie. Aujourd'hui, je pense que la Turquie n'a plus sa place à l'OTAN. Et je le pense de manière résolue depuis la bataille de Kobané, c'est-à-dire depuis le moment où une ville héroïque résistait à Daesh, Kobané, au Kurdistan syrien, et où la Turquie, en même temps qu'elle bloquait les renforts des Kurdes irakiens, laissait passer des armes à destination de Daesh. C'est un mauvais allié, c'est un allié non fiable. L'histoire change, les communautés aussi. Les Kurdes. Je vais venir aux Kurdes, absolument, et puis je finirai par la question de l'Europe, la souveraineté européenne, qui me semble aussi très importante. Les Kurdes, comment est-ce que les Kurdes, c'est je crois la question, comment est-ce que les Kurdes s'insèrent dans la stabilité et l'ordre, comment est-ce qu'elles peuvent s'insérer, ces populations kurdes, dans la stabilité et l'ordre de la région. Moi, je crois que non seulement le Kurdistan peut s'y intégrer, mais que c'est même un Kurdistan indépendant, de plus en plus autonome et un jour indépendant, a vocation à être un facteur majeur de stabilité et d'ordre régional. C'est pas que un Kurdistan indépendant pourra se faire sans que ça trouble trop la stabilité régionale. Je crois le contraire. Je crois que ça sera un pôle fort de stabilité régionale pour une raison très simple, parce qu'il y a au Kurdistan une culture démocratique qui est le meilleur carburant, qui est le meilleur ingrédient, la culture démocratique, de la stabilité des peuples. Il n'y a rien de plus instable. Il n'y a rien qui soit plus source d'instabilité un jour ou l'autre que les autocraties ou les tyrannies ou les totalitarismes, n'en parlons pas. Et puis il n'y a rien qui, au bout du bout du bout, ne soit davantage favorable à la stabilité des peuples et à l'affectio societatis des nations que la démocratie. Les Kurdes ont une tradition de démocratie, ont une tradition de laïcité, ont une tradition d'égalité entre les hommes et les femmes, ont une tradition de respect des minorités, ont une tradition, une pratique concrète de défense des chrétiens, les fameux chrétiens d'Orient. C'est quand même eux qui les ont défendus. J'étais là, je les ai filmés dans la plaine de Ninive, à Karakoche et à Barthéla, qui font qu'ils ont non seulement leur place dans un ordre stable, mais ils contribueront à le créer. Enfin, la déclaration de Macron sur la stabilité, sur la souveraineté européenne, je crois comme lui que il n'y a pas de meilleur facteur de stabilité pour l'Europe qu'un pas en avant dans le sens de la souveraineté européenne. Et cela pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas un grand problème qui se pose à nos pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc., qui ne soit mieux les grands problèmes. Question des migrants, question du terrorisme, question de la délinquance financière. Il n'y a pas une de ces questions et d'autres qui ne soit mieux résolue dans le cadre national que dans le cadre européen. L'époque où on disait que la démocratie était mieux adaptée à la petite agora grecque ou rousseauiste est passée. Les vraies questions, elles échappent à, on peut le déplorer, mais elles échappent à l'agora nationale, elles ne peuvent se traiter qu'à l'échelle européenne. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je pense très profondément que le meilleur acquis de la construction européenne, c'est l'euro. Je pense que l'euro ne tiendra pas, l'euro ne durera pas, l'euro éclatera s'il n'y a pas un pas en avant dans le sens de la souveraineté européenne. La démonstration est très simple. Il y a dans l'histoire des deux derniers siècles, des trois derniers siècles, il y a six exemples de monnaie commune. Une minute. Il y a six exemples de nations qui ont mis en commun leur monnaie pour en faire une unique. Il y a deux monnaies qui ont été créées et qui ont réussi overnight. C'est en 1848, la lire italienne et le franc suisse. Pourquoi ? Parce que la décision de souveraineté politique a été prise en même temps que la décision de frapper monnaie. Il y a deux pays où la monnaie commune a réussi après beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de convulsions. C'est le Maroc, chez vous,
Et c'est le dollar qui a mis un siècle et demi à s'imposer sur la totalité du territoire américain, un siècle et demi où ont cohabité des tapés de monnaie différentes, des thalers, des francs, des machins. Il a fallu la guerre de sécession et ses horreurs pour que le dollar parvienne à s'imposer sur tout le territoire américain. Il a fallu une victoire politique, il a fallu une décision politique, il a fallu un pas, il a fallu la défaite des confédérés par les fédérés pour que le dollar s'impose. Et il y a deux exemples de monnaie commune qu'on a tous oubliés, mais vous, vous savez tout ça, qui ont échoué, qui ont été importantes. C'est la monnaie de l'Union latine, 1867, je crois, 1927, et la monnaie de l'Union scandinave, à peu près la même époque, qui ont été un peu comme l'euro, et puis qui ont commencé à battre de l'aile, et qui ont vu des pays sortir de leur espace, et puis qui finalement se sont fracassés sur la crise de 29 ou ses prodromes, parce qu'il n'y avait pas de souveraineté politique présidant à l'espace des échanges qu'elles étaient censées régir. Donc même l'euro, qui est la grande révolution culturelle que nos pays ont accomplie, même l'euro ne survivra pas s'il n'y a pas cette souveraineté européenne. Merci Bernard-Henri Lévy. Thierry de Montbrial. Bien, même exercice. Malgré l'heure tardive, et si vous avez encore la patience, je vais essayer de répondre aussi succinctement que possible. Quelques questions. Oui. Par exemple, je ne parlerai pas des Kurdes parce qu'il faudrait... Je ne partage pas nécessairement la même tendresse que Bernard-Henri Lévy sur les Kurdes, mais c'est, là aussi, je dirais, c'est relativement secondaire. Bon. Alors, d'abord, la grande question, pas des 20 ou 30 prochaines années, du 21e siècle, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. À supposer que la Chine n'ait pas de très gros pépins entre-temps, parce que l'histoire de la Chine montre que cela est possible. Et contrairement d'ailleurs à ce qui a été souvent dit, Xi Jinping n'est pas devenu l'empereur. L'empereur, c'est le parti. Et l'enjeu pour la Chine, c'est de sauver l'empereur. Xi Jinping est l'instrument de cette stratégie. Bon, ça mériterait un développement, on n'a pas le temps de le faire. Alors, cette lutte va être... Alors, Bernard-Henri Lévy a parlé de Allison, du CD Trap, mais il y a aussi le Kindleberger Trap, que d'autres analystes américains soulignent. Kindleberger, c'est un grand économiste qui a beaucoup étudié la grande crise des années 30, et le grand risque, peut-être plus important encore que celui de Thucydide, le piège de Thucydide, c'est que, faute de leadership, il y a une véritable guerre économique qui se développe et qui entraîne le monde dans une catastrophe semblable à celle des années 30, et catastrophe économique débouche, pour le coup, sur des catastrophes politiques. Alors, je lis cette question à la question sur l'Europe. Pour moi, la construction européenne, je ne l'attache pas à telle ou telle forme particulière de construction européenne, les pères fondateurs, etc., etc. Mais seule une construction européenne réussie permettra de maintenir une certaine balance, un certain équilibre entre les États-Unis et la Chine. Et c'est pour ça que le succès de la construction européenne, encore une fois, je n'entre pas dogmatiquement dans telle ou telle modalité, mais le succès de la construction européenne dans les décennies, il faut avoir un temps long qui vienne, est vital, j'ose le dire, pour le monde entier. Parce que, et pour les raisons, d'ailleurs là je rejoins tout à fait Bernard-Henri Lévy, c'est pas parce que l'Europe, l'esprit européen, exerce une attraction particulière sur le monde, et qu'il n'est d'ailleurs pas impérial, ce n'est pas un projet impérial, la réussite de la construction européenne est un enjeu absolument majeur. Voilà. Mais il peut y avoir des hauts, des bas, des crises, mais c'est une affaire de longue haleine, mais c'est vital, je crois, pour éviter ce que, pour le coup, on pourrait appeler une troisième guerre mondiale. Donc j'insiste là-dessus, j'insiste aussi sur la dimension économique que nous n'avons pas eu le temps de développer ce soir, mais qui nous ramène aussi aux États-Unis, car comment peut-on accepter, et ça ramène à la question de la souveraineté de l'Europe, comment peut-on accepter que les États-Unis, maintenant ouvertement, utilisent l'économie comme arme vis-à-vis de ses adversaires, mais également vis-à-vis de ses alliés.
Et ça, c'est quelque chose de très nouveau à ce point, qui n'est pas seulement dans l'ordre monétaire, qui est aussi dans l'ordre commercial, et que nous devons considérer avec la plus grande attention. Ça aussi, ce serait un développement entier qu'il faudrait faire. J'ajouterais que, sur cette question, qu'entre les États-Unis et la Chine, hélas, l'un des effets que nous observons aujourd'hui et de l'incapacité de s'entendre aussi sur des politiques, et je mettrai là aussi la Russie et l'Iran, c'est que pour l'instant, nous poussons et la Russie et l'Iran vers la Chine. Et je me permets de répéter ce que je disais à propos de l'Iran. L'Iran, pour l'instant, et l'Iran n'a pas du tout les mêmes états d'âme que nous avons dans les pays occidentaux vis-à-vis d'Israël. Cette question-là ne les intéresse pas particulièrement. Par contre, le rapprochement avec l'Iran est en cours, mesdames et messieurs. Il est en cours. Et je crois que si nous ne le comprenons pas, nous commettons une grosse erreur. Alors, sur l'OTAN, alors l'ONU, c'est la structure pivotale du système de droit international, hein, bien entendu. Donc l'ONU joue un rôle très important, mais qu'il ne faut pas non plus surestimer, parce que c'est une banalité, mais les décisions du Conseil de sécurité ne sont applicables que si les membres les membres permanents veulent mettre des moyens pour qu'ils soient mis en œuvre. Je n'insiste pas sur cet aspect essentiel de l'efficacité ou l'effectivité, comme disent plutôt, je crois, les juristes du droit international. Bon, alors, sinon, l'OTAN... Alors d'abord, il faut distinguer l'Alliance Atlantique et l'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est pas la même chose, exactement. Alors, je pense que l'Alliance Atlantique est effectivement relativement moribonde, mais qu'en même temps, comme je l'ai dit, je le répète, mais l'organisation, comme toute organisation, essaye de survivre. Et peut-être, d'ailleurs, est-il souhaitable aussi qu'elle survive à certains égards, car il faut bien voir que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est la seule institution qui lie formellement les États-Unis à l'Europe. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Par conséquent, un écroulement de l'OTAN à cet égard aurait des implications qui iraient très au-delà de l'aspect technique lié aux alliances. Et en ce qui concerne la Turquie, on est ramené à la realpolitik, mais à la triste réalité, car je voudrais bien savoir aujourd'hui qui, en Europe, prendrait l'initiative de rompre avec la Turquie, qui immédiatement ouvrirait les vannes pour accroître le flot des réfugiés. Et pour les raisons qu'on a discutées précédemment, je ne suis pas sûr que cela n'entraînerait pas plus rapidement que lentement une explosion des populismes. Et oui, je regarde quand même le dernier point, mais puisque tu me coupes la parole, eh bien je m'arrête là. Voilà. Mesdames, Messieurs, il est 20h. Je vous remercie et surtout je dis à Bernard-Henri Lévy comme à Thierry de Montbrial, merci d'avoir été aussi brillant. Ah bah oui, c'est génial.